J'espère que vous allez bien, bonjour à tous, bonsoir les sportifs. Donc aujourd'hui je suis seul, je vous fais un petit live surprise, je suis à Gateway Classic Cars. Donc c'est un shop spécialisé dans les classic cars ici à Phoenix. Et donc je joins l'utile à l'agréable, j'étais en week-end à Phoenix et je voulais absolument passer aujourd'hui voir ce shop parce que il y a une centaine de voitures ici. En ce moment il y en a moins que d'habitude, mais vous allez voir, il y a pas mal de styles. Ça va des années 30 jusqu'aux années 80, et donc on va faire un petit tour un peu de ce qu'il y a ici, et puis comme ça ça vous permettra de pareil d'interagir. Comme c'est moi qui tiens la caméra, je pourrais soit répondre à vos questions ou faire des petits zooms sur certaines des caisses que vous allez voir passer. Donc voilà, on espère que tout est ok chez vous. Donc je vais tourner la caméra et puis on va commencer avec les rods ici, et puis on va se faire un peu le tour du shop. Il y a de la Mopar, il y a des Chevy, des Impala, il y a des Lincoln Continental, il y a du lourd. Allez, c'est parti, nous allons commencer. Donc ici on commence avec un petit rod. Donc là, comme vous le savez, c'est des véhicules qu'on aime bien montrer, mais c'est pas ce qu'on exporte pour des questions de francisation, mais c'est toujours cool à voir parce que ça, vous en verrez pas beaucoup dans le shop. Tac, ça vous le verrez pas, dans notre shop, mais c'est un truc qui est toujours cool à regarder, avec un 572 Big Block, un 32 Roadster, beaucoup de matos. Et là, je vais vous montrer ce Big Block Chevy. Bon, je pense que ça doit être absolument n'importe quoi. Ah, Karim, t'es dans le coin? Je sais que t'étais en vadrouille en tournage, mais ouais. T'étais à Phoenix, t'étais quand? T'as, c'est cool, le live maintenant, en fait, on discute avec le réalisateur de l'émission en direct net. Voilà. Donc après, comme tous les trucs de consignment, donc c'est-à-dire en fait c'est les dépôts-ventes, bah il y a du bien, du moins bien. Donc comme d'habitude, il faut les regarder. Mais voilà, il y a pas mal de choix. Donc on va regarder un petit peu. Là par exemple, on a une Duster 70 avec un 340. Donc ça c'est pareil, on va dire dans la famille Mopar, c'est parmi celles qui sont les plus abordables. Donc une caisse des années 70, après on a les Super B derrière, on a une Challenger aussi 70. Mais voilà, donc là par exemple c'est 36 000, petite Duster. Donc je les ai pas toutes, j'ai pas encore regardé toutes les caisses en dessous parce qu'il y en a trop. Mais après, s'il y a des caisses qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous faire signe, je pourrais regarder un petit peu plus. Voilà, ici il y a une 68 Super B, 65 000 dollars. Avec un 383. La Challenger 70 Cabriolet. Une autre Super B à côté. Cabriolet aussi, celle-ci. Donc voilà, il y a de quoi faire. Hein. On va se promener, on va regarder un peu tout ça. 85 000.
81 000 pour la Challenger 70. Pistol grip. Boîte méca aussi pour celle-ci. Bon, ça, c'est assez particulier, les gros muscle cars. Gros muscle car, boîte méca cabriolet. C'est pas des voitures qu'on nous demande souvent. Salut Pascal, salut tout le monde. J'ai pas vu tout le monde encore parce que je. Jocelyn, Rudy, nos amis d'American Dream Shot, pareil. Donc American Dream Shop, petit coucou hein, les gars, n'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil sur le site, vous pourrez voir à la fois tout ce qu'ils proposent, les sucreries, les petites douceurs qu'on trouve qu'aux États-Unis, et puis les fringues, les casquettes et les habits Socal Frenchies, toutes les fringues Socal que vous pouvez voir. Petite Camaro 54 000 avec des sièges baquets. Pas super fan du combo siège volant, c'était ce qu'on voyait il y a quelques années, mais bon là pareil hein. Je sais pas si Rimo regarde, mais voilà hein. Cabriolet encore. Alors là celle-ci avec un swap LS. On finira le live avec un truck qui ressemble vraiment à celui qu'on a en projet, qui est là-bas dans leur petit showroom. Voilà, donc on va continuer ici. Donc qu'est-ce qu'on a? Chevelle, donc là c'est un Camino 69, comme celui de notre ami Laurent. Un petit Camaro, un petit Camino 69 avec un 350. Une Thunderbird 66 qui a été vendue. Qui a l'air vraiment clean. 30 000, c'était pas très cher. Donc ils ont des caisses qui ont des prix qui sont corrects et d'autres qui me semblent assez chères. Mais bon, ça vous permettra aussi de vous rendre compte de l'évolution des prix. Et là, en fait, ce qu'il me disait le gars qui bosse ici, c'est que il y a beaucoup beaucoup de gens en fait avec le Covid, comme les stocks sont très hauts et les Donc tout ce qui est donc au niveau de la bourse, etc. Et l'immobilier, donc il y a beaucoup beaucoup de gens qui investissent dans les voitures classiques. Et donc c'est une valeur refuge qui n'a jamais vraiment descendu. Donc voilà, ça explique aussi que même ici aux États-Unis, ceux qui imaginent qu'une Chevrolet Impala 64 SS entièrement restaurée, ça vaut 30-40 000, on en est loin. Vous voyez, celle-ci, elle est à 61 000. Donc, voilà, on est Thunderbird 59. Ça, c'est rare. Ça a vraiment un look particulier. Je vais vous montrer l'arrière. Avec le kit Continental. Bon, la Chevrolet 64 Impala SS, c'est une référence aussi. Moi, j'adore. C'est vraiment une très très belle caisse. Après, on a des petits Camino. Donc là, c'est pareil. Alors, ça, je pense que le prix est un petit peu trop élevé. Pour un 79, 26 000, même s'il est globalement en bon état, je pense qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux que ça, mais surtout avec la calandre de Malibu, là, qui n'est pas la calandre la plus recherchée sur ces modèles-là. Pareil, ça aussi, Camino de ces années-là, c'est pas les plus recherchés. En général, ça va plutôt être voilà, des Camino comme on a vu le blanc, le 69, on va dire de 67 jusqu'à 87, avec une petite pause dans les années 73, 70, 76, qui était un peu particulier. Voilà. Très très teinte, vraiment cool. Petite caisse intéressante. Les Camino, c'est marrant. C'est pendant un moment, vous nous en demandiez beaucoup, et puis là, il y a un peu moins de demandes sur les Camino.
Donc je pense que c'est des caisses qui valent le coup parce que vous avez l'avant d'une Chevelle, le comportement d'une voiture et la benne. Donc c'est quelque chose, la plupart ont trois places. Ça, je vais me permettre de baisser leur son. Voilà. Comme ça va éviter qu'on se fasse couper. On se fasse couper le son. Ouais, exactement, Gilles, des voitures qui changent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est la fameuse voiture dans laquelle président Kennedy a été assassiné, Lincoln Continental. Donc, c'est la version cabriolet avec les fameuses portes suicides à l'arrière. Restaurée. Vraiment cool. Ça, ce sont vraiment des lignes vraiment classiques, quoi. Continental, c'est la classe. Les deux cabriolets côte à côte, même teinte. Donc là, celle-ci, la peinture était caillée. En fait, on voit que la peinture est à refaire. Donc il y en a une qui est à 130 et l'autre qui est à 63. Vous voyez la différence de prix entre une qui a été entièrement restaurée et une qui est dans son jus. Voilà. C'est déjà une belle somme, 63. Mais 130, là, on arrive vraiment à des prix. Je ne sais pas si en France il y a des collectionneurs qui sont prêts à mettre ce montant dans une caisse comme ça. Mais voilà, il faut bien avoir conscience que on achète une caisse comme ça à 60. Je sais pas si 60 000 suffisent pour en faire une caisse entièrement restaurée. Donc faut bien avoir conscience de ce que ça représente en fait comme coût, une restauration complète. Voilà. Encore des Chevelles. Donc deux Chevelles 69, Chevelles Malibu. Celle-là avec son petit display. Donc une 396 Cortez Silver. Voilà un peu les infos. Je découvre en même temps que vous. J'ai fait un petit tour avant, mais j'ai pas eu le temps de regarder toutes les caisses. Donc voilà, ça c'est une caisse à 80 000. Et c'est vrai qu'elle est très très belle. J'aime beaucoup la teinte. Elle a été refaite vraiment à l'origine. Donc. Toit vinyle. Moi, je suis un fan du toit vinyle. Certains aiment, certains n'aiment pas. J'aime beaucoup. Je trouve que ça lui donne vraiment quelque chose. Petite option d'époque avec le porte-paquet. Ça, c'est assez rare sur une Chevelle parce que c'est des voitures qui avaient déjà un grand coffre. L'attache remorque, personnellement, je l'aurais viré. Non, je vois pas de Nova pour l'instant. Non, il n'y a pas de Nova. Des voitures qui sont pas très communes, c'est pareil, on en voit pas tant que ça. Et pourtant les versions de première génération de Nova, 66, 67, sont les versions les plus chères, des versions qui sont les plus qui ont été les plus modifiées. On en a vu beaucoup au SEMA ou sur les shows. Là, il y avait le Good Guys, il y avait le show là, il y avait là ici à Phoenix. Il y a plein plein de choses qui se passent dans le secteur. C'est pour ça que je voulais absolument venir jeter un petit coup d'œil ici. J'ai eu un bon contact avec la personne qui est en charge du showroom ici. Et ça va nous permettre aussi de venir de temps en temps regarder certaines de leurs voitures ici. On est à peu près à 6-7 heures de route. Mais l'avantage, c'est qu'on est quand même dans un coin où les voitures sont sèches. Même s'il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer ici et qui viennent avec leur voiture. Ouais, Anthony, on va aller regarder les C3 après. Il y a une Mustang, et ça va vous faire marrer parce que, bon, je vais vous montrer tout de suite le prix de la caisse, et après je vais vous montrer ce que vous avez pour ce prix-là. Donc la 24 000,
24 000 dolls. Et donc c'est une caisse. La peinture est morte. Vous voyez, la peinture, elle est toute. Elle est non seulement cuite au soleil, mais en plus de ça, il y a plein de petits défauts partout. Et pareil, je vais me soulever le capot. Je vais pas le faire sur toutes les caisses, mais moi, ça vous donne un étalon un peu. Hop. Donc, j'ai regardé un peu en dessous. C'est une voiture qui est dans son jus. On va avoir, comme d'habitude, la plupart des éléments de suspension à refaire. C'est une bagnole qui est globalement saine et sèche, mais il y a une peinture complète à refaire. La moquette est toute décolorée. Le volant aftermarket avec le grosse protection, là, ça c'est vraiment pas. Non, c'est le volant type origine, mais ils ont mis un gros truc de taxi, là. Taxi des années 80. Voilà. Donc les prix des Mustangs ont vraiment vraiment flambé. Pour avoir une caisse qui est saine, qui a un bon départ, pour en faire une voiture qui passe au CT et qui présente bien, bah, vous voyez ce que c'est. Ouais, on va regarder un petit peu tout ça. Il y a la Saline, il y a ce petit Woody là. On a à côté une Shelby. On va regarder un peu tout ça. Là-bas dans le fond, on a quelques pick-up. Un monster truck. Des Hummers. Quelques Broncos. Il y a quelques. Ils n'ont pas énormément de pick-up non plus. Tiens, ici, il y a un petit SRT10. Tiens, il y a Jean-Jacques qui me demandait justement un SRT10. Soixante-cinq mille. Bon, il doit pas avoir beaucoup de miles. 1800. Ouais, bon, celui-là est neuf, donc bon, c'est pour ça qu'il vaut aussi cher. Parce que les SRT10, c'est pareil, c'est le moteur de Viper. Il faut bien faire attention à ce qu'on achète, parce que sinon les réparations, ça peut aller très vite et très loin. Bon, alors excusez-moi, je me suis un petit peu détourné du sujet. On va refaire dans l'ordre, sinon j'ai oublié les trucs. On reviendra de ce côté-là après. Donc là, ici, on a la petite Saline cabriolet. Alors ça, c'est pareil, ces voitures-là, ici, il y a carrément des magazines qui sont consacrés à ces modèles de cette génération de Mustang. Mais en France, c'est pas encore quelque chose qui est énorme. Vous voyez, 22 000, 62 000 miles, actual miles, donc ACT, ça veut dire actual, donc ça veut dire que c'est des miles vérifiés, avec un 4 litres 6 super chargé. Donc, je trouve pas que ce soit très cher. 22 000. Bon, après, bien entendu, il y a l'homologation en France, plus les frais, etc. Mais c'est une voiture qui est rare, une Saline comme ça. Alors après, à côté, la Shelby GT500, 41 000 dollars, 27 000 miles. Voilà. Donc ça, c'est pas mal aussi. Bon, pareil. Ces voitures-là, encore une fois, avec Alex, on insiste toujours à vous le répéter, répéter. C'est que on achète ça, si on achète ça sur photo, on n'a même pas la moitié des éléments qu'il faut vérifier. Il faut absolument vérifier que le châssis n'a pas souffert, que la voiture n'a pas fait, par exemple, trop de circuits, qu'elle n'est pas déchirée par endroits, que mécaniquement, tout ça, que la boîte est en bon état, que le moteur va bien. Parce que sinon on croit faire une bonne affaire et puis on se retrouve avec des frais de ouf. Donc ça, c'est vraiment vraiment important. Je sais qu'il y a des endroits au monde où les voitures sont moins chères. Il y a des gens qui proposent des voitures avec des tarifs qui sont imbattables. Mais malheureusement, si à côté de ça vous n'avez pas une vraie expertise qui vous dit ce que vous achetez, ben, c'est un gros risque au moment où on reçoit la voiture. D'ailleurs, notre partenaire californien qui fait les homologations avec nous, et Nico, en fait, ils nous ont, bah, ils nous,
Ils nous ont fait pas mal de retours sur des voitures qui arrivent d'autres pays, que je ne citerai pas, mais vous devez vous douter de quoi je parle. Et en fait, les provenances qui sont douteuses avec des véhicules qui étaient des anciens salvage, qui ont été réparés à la va-vite et réimmatriculés dans un autre pays. Et boum, on se retrouve avec un clean title, alors que la voiture était salvage, soit accidentée, soit une voiture qui a été inondée. Donc là, c'est des gros soucis en perspective. Voilà, donc je continue la petite visite. Hein, si vous avez des choses que vous voulez voir, donc Aaron, on va aller regarder le F100. Donc ça, c'est pareil, c'est un truck modifié. Donc malheureusement, pour la France, ça va pas être facile. Pour la modique somme de 117 000 dollars. Donc ça, c'est typiquement le type de véhicule qu'on voit dans Expendable. Voilà, qu'on a vu avec Stallone et tout. Et ça, c'est. Bon, c'était déjà des véhicules qui avaient le vent en poupe à l'époque, mais ça a aidé aussi. Et dedans, vous voyez, c'est un Ford avec un LS3, donc Chevrolet. Transmission automatique. 10 000 miles depuis la restauration. Voilà, donc ça, oui, c'est sûr qu'ils ont. Il y a eu de la dépense. Hein. C'est un truck qui a été entièrement refait, mais voilà. Ça en France, il faut pouvoir l'immatriculer, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est clair qu'il a une super dégaine. Je suis pas super fan du blanc mat. Je pense que c'est un peu. C'est plus vraiment d'actualité ce genre de teinte, mais voilà. Alors Pierre-Yves, tu demandes pour l'homologation en France pour une Mustang. Donc ça dépend quelle année et quel modèle. Tu vois, donc mais disons qu'une voiture classique qui n'est pas une version genre super sport, ça coûte aux environs entre 4 000 et 4 500. Et après les versions plus sportives comme les GT 350, les Shelby et tout ça, là on va arriver parfois à plus. Et les trucs très spécifiques comme les Demon et tout ça. Ça monte, ça peut monter jusqu'à 7 000-8 000, voire plus. Donc, mais en moyenne, pour une Mustang classique, nous, on va être aux alentours des 4 000. Voilà. Vous avez vu ça un peu? Alors, on va se. Pour que vous vous rendiez bien compte. Bon, moi, par exemple, je fais 1,92 m. Vous voyez? Enfin, 92. J'ai dû perdre un petit peu si j'ai eu quelques accidents. Descendu en dessous du 1,70 m maintenant, mais voilà pour vous montrer la hauteur du truc. Et ça, ici, c'est street légal. Tu veux rouler avec ça, y a pas de souci. Et là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de se casser le dos pour expertiser l'état des soubassements. Putain, ça doit être un sacré truc. Je me demande bien combien ça coûte un pneu comme ça. Voilà, container, c'est mort. Là, c'est directement. C'est roll-on, roll-off. Franchement, ils sont fous. Ils sont fous, les Ricains. Le système de frein déporté. Ouais, franchement, c'est incroyable. Le Hummer est ridicule à côté. Eh, c'est pas fort ça. James Barwood, la marque qui vous accompagne. La marque du baroudeur. Franchement, il est cool ce Hummer. Donc ça doit être une tente, t'as les petits LED et tout, t'as le. Alors 130 000 balles, alors qu'est-ce qu'ils ont mis comme mécanique? Ah bah voilà, ils ont mis un 6 litres 6 Duramax diesel. Donc c'est le V8 Chevrolet qu'on va retrouver dans les gros trucks, les Duali. Et donc maintenant ils ont le meilleur des deux mondes. Là, c'est un truc de fou. Il est vraiment cool celui-là.
avec le Duramax, parce que d'origine le 6 litres 5 diesel poussif, on l'avait essayé avec Alex. Je sais pas si vous aviez vu notre épisode avec le Hummer, je me souviens plus quel numéro d'épisode c'est, dans la première saison je crois, mais jeter un petit coup d'œil, on s'était bien marré dans le désert avec un Hummer. On a fait un petit review, mais là c'est vrai que bon, là c'est autre chose avec le 6 litres 6 turbo diesel. Enfin, moderne avec. Enfin, c'est les tout derniers modèles. Attends. Oui, Max, c'est très facile d'immatriculer une Mustang 65-69. Il n'y a pas de souci. Tu nous envoies un message et puis on s'en occupe. Tiens, on va aller regarder les trucks qui sont là-bas, parce que j'ai vu passer une demande. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande aussi? Un Mustang de 92. Ouais, le F100, ben en fait, c'est toujours pareil. En fait, il y a toujours des possibilités, mais en réalité, si vous voulez homologuer une caisse comme ça, sans zigzag, il faut que ce soit d'origine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un Wagoneer à 55 000. Voilà. Donc ça, c'est pareil, les Wagoneer. Nos amis de Suisse ou des stations de ski huppé adorent le Wagoneer. Et comme vous voyez, un modèle en bel état, ça vaut une fortune. Donc nous, on en a exporté quelques-uns, dont un à notre ami Julien. Et on était loin de ce tarif-là. C'était un véhicule qui était quasiment, enfin, qui était même aussi propre que celui-ci, je pense. Et qui était loin de ce prix-là. Mais bon, c'est vrai que maintenant c'est de plus en plus difficile à trouver. Le petit Apache 59, 33 000. Voilà. Donc maintenant il y a un Crate Engine 350 dedans, comme dans la plupart. Mais ceux-là sont sortis en V8, donc c'est moins compliqué. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Petit GMC, pareil. Alors les GMC de ces années-là, faut se méfier parce qu'ils avaient des. C'était les seuls qui avaient des V6, vous voyez? Donc c'est pas une erreur, la plupart du temps c'était des moteurs en ligne quand ils avaient des versions 6 cylindres, sauf le GMC qui avait le V6 de 5 litres. Donc celui-là il est cool. Il a vraiment la bonne patine avec les. Le petit lettrage un peu usé, ça c'est vraiment ce qu'on a envie de faire sur notre truck. Et alors celui-ci est absolument magnifique. Celui-là il est vraiment vraiment beau, mais vous allez halluciner sur le prix. Un C20 de 72, 60 000 balles. Voilà, 383 Stroker. Entièrement, entièrement refait, la peinture est absolument magnifique. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la qualité de la peinture en image, mais voilà, ça c'est vraiment une très très belle restauration. Et encore une fois, bah voilà, on n'imagine pas qu'un C20 long bed comme ça puisse revenir à un prix comme ça, mais dès l'instant où le propriétaire a décidé de mettre tous les moyens qu'il faut pour en faire un vrai truck de qualité, et ben forcément ça coûte des sous. Donc là c'est 60. Bon, j'imagine que tout ça se négocie un petit peu, faut regarder après comment c'est fait. Mais voilà. Ça vous permet d'avoir une petite vue d'ensemble. On va aller voir un peu les caisses des années 30, 30-40. Et après on va se diriger vers le showroom. Je vais finir avec le Chevy 50 patiné sur Air Ride, qui est là-bas dans leur showroom. Donc là c'est pareil. Alors ça c'est aussi des caisses qui sont vraiment vraiment cool, parce que bah ça on en voit quasiment pas. Une Ford 1940 toute restaurée, noire, un très très beau noir, vraiment une vraie belle peinture. Vous voyez la qualité de la peinture. Hop. Vraiment, vraiment cool.
avec son flathead. Donc les tout premiers V8. Ça c'est quand même la classe. Si quelqu'un nous regarde qui est vraiment dans ce genre de caisse là, je trouve pas que ce soit très cher pour la qualité. Là on est dans les 50 000 dollars, 52 000 dollars. Ça c'est vraiment vraiment beau. À côté, on a une 1934, donc une Buick, 4 portes, porte suicide à l'arrière, pareil, hein, entièrement restauré. Tout look d'époque avec vraiment énormément de place à l'arrière. La petite malle. On aimerait en voir passer plus souvent dans le shop des comme ça, les gars. Hein. Et pour info, ce sont les seules voitures, parmi les voitures de collection ici qu'on voit, c'est les seules voitures qui ont stagné, voire qui ont baissé un petit peu, parce que la population qui est vraiment fan de ces voitures-là, forcément, est de plus en plus âgée. Donc, contrairement aux caisses des années, je dirais 60, 70, qui continuent à monter en flèche, celle-ci stagne un peu et donc on arrive à trouver des voitures qui sont d'une qualité exceptionnelle pour un prix qui est vraiment en dessous de ce que ça vaudrait s'il fallait la restaurer. Donc, toujours l'intérêt d'essayer de profiter du fait que quelqu'un ait fait le travail il y a quelques années avant. Voilà, donc là une Buick 48. Pareil, hein, c'était vraiment les 30 glorieuses, c'était des caisses absolument incroyables quand on compare avec le gabarit des caisses de la même époque en France ou en Europe, les petites anglaises, les italiennes, les françaises. Vous avez vu ça quoi, c'est la débauche de chrome, regardez-moi cette calandre, c'est absolument incroyable. Donc il y a vraiment de quoi faire, hein. Il faut vraiment continuer à s'ouvrir, à regarder un petit peu ce qui se fait. Donc là, bon, là, une petite Jag, une petite Mercedes, Porsche 928, c'est pareil, Porsche 928, elles n'ont pas encore explosé, mais c'est certainement les prochaines qui vont prendre de la valeur, surtout swappées avec un moteur un peu plus moderne, ça pourrait être sympa. Voilà. Un PT Cruiser. Voilà. Et là, une petite caisse à moteur rotatif. Donc, une petite Mazda. Qui est toute, toute clean. On dirait qu'elle est sortie d'un showroom aussi. Direct 7. Cool, franchement pour l'état, c'est une belle petite caisse. Alors ici on a les C3, donc on a une C3 de 82 ou 81, laisse-moi voir. 80, 14 000 balles. Donc voilà, c'est une voiture qui est dans son jus. Hein. On voit les joints sont à refaire, la peinture elle est vraisemblablement d'époque. On voit, hein, c'est un petit peu craquelé partout, etc. L'intérieur a été refait. En tout cas, au niveau de la sellerie, c'est pas mal. La moquette est un petit peu fadée, décolorée. Bon, après, il y a plein plein d'éléments à vérifier sur ces caisses-là. Je crois que vous avez vu certains, pour ceux qui suivent les lives, Alex a expliqué beaucoup tout le travail qu'il y a à faire, notamment pour les suspensions, les roulements, tout ce qui est donc train roulant, etc. sur ces voitures-là. Et ça peut chiffrer très vite. Donc quand on expertise une caisse comme ça, faut vraiment absolument tout regarder. Donc bien entendu, la partie extérieur-intérieur, c'est une chose, mais c'est pas forcément ce qui va être le plus coûteux. Qu'est-ce qu'il y a, Smokey West? Qu'est-ce que j'ai zappé? Redis-moi.
parce que j'ai pas forcément tout vu. Hein. Il y avait un Dodge noir. Ah oui, tu parles à Jean-Jacques, ok. Donc ça, c'était pour le SRT10. Il a 1300 miles d'origine, le truc. Il est 65 000 dollars. Voilà. Alors ici, on a. Yes. 49 000. Donc une 68 avec un 3,27. Donc ça, c'est pareil. Hein. Les chrome bumpers sont des voitures qui ont vraiment, vraiment pris de la valeur. Donc celle-ci, c'est plutôt une belle caisse. Voilà. Elle a rien d'exceptionnel au niveau motorisation version, mais c'est déjà 49 000. Et après à côté, je vais vous montrer la même en cabriolet. Vous allez voir, à côté, c'est une 427 cabriolet. Donc c'est la même teinte, mais par contre c'est 100 000 dollars. Donc et c'est une voiture qui est en bel état, mais c'est pas non plus c'est pas un état concours. C'est propre, c'est pas à état concours, mais après là ce qu'on va payer c'est le fait que ce soit un big block, donc le 427 cabriolet avec la boîte méca, 100 000 dollars. Voilà. Ils nous ont remis la musique là. J'espère qu'ils vont pas nous couper le son. Voilà. Donc après ensuite, bah voilà, les rods, je les ai montrés au début du live. Donc t'as des trucs avec plus ou moins de bon goût. Donc là par exemple, ça a pas très très bien vieilli. C'est vraiment, je pense que c'est le genre de voiture maintenant qui vont être plus difficiles à vendre parce que il y a eu du travail, ils ont dépensé de l'argent pour la faire, mais le style est pas, c'est pas aussi pur que le petit 32 qui est là, qui est tout simple. Voilà, qui un petit 32 avec les sales flats. Voilà, ça, disons que ça va être moins démodé facilement qu'une voiture avec des peintures à la ZZ Top des années 80, fin des années 80, quoi. Voilà. Donc après on a le combi, je pense, enfin il n'y a pas de panneau à vendre dessus, donc peut-être qu'il est déjà vendu. Donc voilà, bon ça c'est, je crois que c'est 21 fenêtres. Voilà, c'est, vous savez, les prix de ces trucs-là, ça dépasse les 100 000 sur ces modèles-là. Allègrement, il y en a même qui sont à 200 000. Hop. Voilà. C'est classe. Voilà. Et donc pour finir ce live, on va aller regarder dans leur showroom. Il y a un très très beau coupé C2 qui n'est pas une split window, mais qui est une. Hop. J'ai pas compté les fenêtres en fait, mais voilà. Donc ça c'est très très joli aussi. C'est une 66, 117 000, avec un big block. Faut voir si c'est une vraie big block d'origine. C'est très très joli aussi. 427 turbojet. Et pour finir ce live, je vais vous montrer ce truck qui va vous rappeler quelque chose pour ceux qui suivent aussi. Donc le 3100, donc on a exactement le même au shop avec le châssis modifié. Celui-ci est bien entendu sur un ride, puisque comme vous pouvez voir, le châssis carrément posé par terre. Donc ça, c'est exactement le projet qu'on va faire avec le vert. On a déjà le frame qui est mieux que ce frame là, parce que celui-ci c'est le frame d'origine qu'ils ont modifié. Donc ils ont mis un LS 5 litres 3 de Tahoe. Les chromes, tout ça c'est neuf, et tout le reste
C'est la patine d'origine. Voilà. Donc il est couleur noir rouille un peu. Voilà. Comme vous pouvez voir. Donc il est vraiment cool. Bon, ça vaut 100 000 dollars. C'est pareil, hein, c'est énormément de travail. Après, tu as un intérieur Crocodile Dundee. Enfin, intérieur en cuir, non, même pas en croco, mais vous voyez, il y a pas mal de boulot au niveau de la sellerie. Le petit levier Locar qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de pick-up. Voilà. Donc, nous, grosso modo, c'est à peu près ce type de projet-là qu'on va faire. À part qu'on vous mettra un intérieur un petit peu différent et surtout on a un châssis qui est un châssis encore mieux que ça, c'est un châssis TCI et en fait ça va rouler comme une caisse moderne avec 4 freins à disque et tout. Système Air Ride, mètre cylindre Wilwood et tout. Voilà. Mais c'est cool ça. Ça donne envie quand tu le vois comme ça donne vraiment envie de se remettre dessus. Voilà les gars. Donc. Voilà, je vais prendre congé. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite all the best. Bon courage au poteau. À Los Angeles, au shop de Gardena qui sont en train de bosser au moment où je vous parle. Et puis voilà, nous on vous souhaite une excellente semaine. Si on a d'autres trucs cool à vous montrer, je vous referai des petites vidéos cette semaine, des petites tranches de vie et tout ça. Et puis pour le reste, n'hésitez pas à nous tenir au courant si vous voulez des voitures en particulier, que ce soit des modernes ou des anciennes. Vous allez sur la page Socal Frenchies, vous nous envoyez un message ou un mail via notre site. Voilà, et puis comme ça on vous aiguillera au mieux. Et puis voilà, on vous souhaite all the best. Allez, portez-vous bien. Bye tout le monde. Et hop, je fais une petite sortie tout en souplesse. Allez, à bientôt. Bye.